Et salut à tous, c'est Tito Goffet, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, vidéo siège. On est contre Zach Crow Club F Legend. Le siège est déjà pas mal avancé. On est bien parti pour faire premier ou deuxième. Au niveau du win rate, on est à 90%. Zach Crow Club sont un petit peu en dessous, 80%, un peu moins. Et on a AF qui est à 97% de win rate, donc des bons win rates. J'espère en tout cas que cette petite vidéo te plaira. Si c'est le cas, eh bien n'hésite pas à t'abonner, petit pouce bleu. Et nous, on est directement parti avec les premières offenses. Et du coup, offense numéro 1, on est contre une défense côté AF Legend. Je la trouve vraiment très menaçante. Giselle, Iris et Sylvia. On va y aller avec une Jultan Semé Kinky. Donc on a pas mal de sustain grâce à notre Semé. On a un Jultan en triple revenge, on a l'antil. À gauche, on a mis une réduction light et à droite, un petit peu de reflect damage. Le Kinky, j'ai mis en desperso pour changer. D'habitude, je joue en vieux. Je me dis pourquoi pas changer un petit peu pour varier les plaisirs. Avec à gauche, réduction dark multit et à droite, multit. Et enfin, on a une Semé. Voilà, comme d'hab, avec à gauche, réduction dark et à droite, speed en fonction de HP perdu. Veux-tu en premier quoi? Bah, je pense que c'est où il y aura le break def en soi. Donc soit Giselle, soit Iris dans l'idéal. Et puis après, on ira sur la Sylvia et on terminera par le dernier. Alors du coup on n'a pas le premier tour, on se prend le break def, on prend beaucoup de dégâts, waouh. Oh, les dégâts sont insane, t'as vu ou pas? Waouh. Bon, on est full life mais on a pris des gros dégâts, waouh. Je crois que je vais aller ici à droite et l'Iris doit faire vraiment beaucoup de dégâts je pense. On va tenter de stun ça, je pense que c'est la tech ou bien pour le cycling ce truc là peut-être. Ouais, c'est mieux, je pense que c'est plus intéressant. On va faire skill 2 sur notre Jultan puisqu'on veut récupérer notre CD. Les 7 sauts sont plutôt intéressants, en vrai de vrai j'aime beaucoup. Là on va skill 2 pour mettre des dégâts en AoE je pense. On peut mettre du 7 sauts hein, et du stun d'espère du coup. Et on va aller taper ici, mettre l'antil. Je pense qu'on va du coup aller sur cette Iris. Voilà, elle est morte, parfait. On va sur Giselle maintenant, parce que là il y a le break d'œuf simplement. Il y a le 7 sauts en plus, incroyable. Et là on peut aller chercher le stun. Et à nouveau le 7 sauts qui poke. En fait, le 7 sauts est pas mal hein, ici, j'aime bien. Il n'y a pas besoin de destroy en fait. J'aime beaucoup. Puisqu'on a l'antil en fait de Jultan pas de destroy, donc le 7 sauts est juste plus intéressant. Offense numéro 2, on est contre une Ken, Kiki, Ciri Dark, défense assez particulière. On va y aller avec une objectif cleave, Miyang, Adriana, Sonia. Donc Adriana très rapide en Swift, une Sonia bien rapide, bien au cœur, à gauche, à droite, attaque up effect. Et une Miyang bien rapide aussi, en DCC, avec à gauche une réduction feu, avec comme artefact à gauche, dégâts sur feu et à droite multit. Donc avec la Miyang, on va tuer Ken, avec Sonia, la Ciri, et on se fait pas solo par cette Kiki. Objectif cleave. On note speed. Excellent, c'est rapide en face, j'ai l'impression. On va tuer ici à gauche directement. Et on va tenter de tuer ici à droite. Parfait. Et normalement, la Kiki ne va pas solo. On peut mettre l'oblivion, on peut rater l'oblivion. On peut extendre les buffs ici, c'est important. Tant pis pour la Sonia. Et normalement, on est plutôt pas mal. On a mis le slow en plus, du coup on va l'app. Allez, offense numéro 3, on est contre celle de Pinkroid, donc ça rigole pas. Ciri, Vigor, Emily, on va y aller avec une Vritra, Shazoon et Delphoa. Je sais pas si ça va passer les gars, on va essayer. Donc Shazoon qu'on a runé en view wheel assez rapide, pas mal de tankiness. À gauche, on a mis une réduction light, à droite un peu de speed en fonction de HP perdu. On a la Delphoa qui est en view wheel, Sandrez, du coup un peu moins tanky. Avec à gauche, réduction light et à droite un petit peu de recovery skill 3. Et Vritra en view saut, avec à gauche réduction haut, un peu de multit et à droite multit. Donc on tente le premier tour et on rebound au T2. Je pense qu'on veut tuer la Emily en première, ça dépendra d'où il y a le break def. Du coup, on n'a pas le premier tour. On prend des bons petits dégâts. Les slow. On va se réduire à TV. On a cleanse, les stun, mais heureusement, il y a une petite résiste. On va mettre un slow quelque part. On va le mettre sur la série ou non. Là-dessus, il n'y a pas d'ATB. Le slow va être bien. On peut juste faire un skill 2 pour mettre le buff attaque. Et nous, on va faire un petit skill 2 ici, je pense, pour mettre des dots et des petits dégâts. Il n'y a pas de sustain dans la compo. Le S2 de Vigor est déjà passé. Du coup, on est plutôt pas mal. On aurait pu mettre un peu de destroy dans notre compo, j'avoue c'est un peu du troll de pas en avoir mis. Je suis d'accord avec vous, il peut pas proc violent, ça c'est cool. On va mettre le slow là-dessus puisque bah en fait il a déjà son spell je pense. Et en fait il est squishy hein, la vérité. J'ai l'impression que c'est là-dessus qu'on doit aller, hein. Vraiment. Hein. Et excellent proc, du coup on peut tuer, parfait. J'ai l'impression que c'était un Vigor qui était en DCC, on va mettre le slow ici. Les slows sont vraiment forts. On peut heal. J'ai trollé, c'était pas ça qu'il fallait faire. Et vas-y, je joue jamais Shazoon les gars, je connais pas. Et bon bah du coup on est fine. On
Bon, du coup, offense numéro 4 contre celle de Raxar, on va faire la même chose. Même pas prendre de Destroy, on va garder les mêmes runages, Adelphoi et Vritra, et on garde le même objectif. Je pense qu'on va tuer le plus couché, on verra bien avec les Revenge. Parti. On n'a pas le premier tour. Oh, le break dev directement à l'open, ça fait pas du bien ça, on va prendre très très cher. J'aime pas du tout ça. Alors, est-ce qu'on se fait full stun? Non, proc. Parfait. On a pris cher au niveau des dégâts, waouh. On va faire skill 2 maintenant ici. C'est que lui va pas skill 2. On va aller taper le Wheel Break Death. Oh, les dégâts qu'on met. On va juste faire un petit skill 2 ici. Très bien. Il y a le heal, c'est pas grave. On va les taper là, on va les tuer directement. Vritra qui nous met des petits revenge là qui font plaisir. Mais des bons dégâts. Il me tape. Je suis rancunier. On va mettre le slow ici à droite. On va aller tuer ici à gauche. Et on va aller heal avec la petite chazone. Ça c'est mort. Là. Là on va équilibrer les HP. Et maintenant on va aller sur la Emily. En fait, on n'a même pas de destroy. Hein. T'as vu les dégâts qu'on met. Le revenge sont trop importants. Et j'ai mis une réduction. Franchement, en vrai, ça fait trop de dégâts. C'est incroyable. Hop, on va remettre ses CD à zéro. Et là, on peut terminer tranquillement. Allez, offense suivante. Alors, encore cette défense, côté AFL John. On va faire une variante parce que j'ai plus de chazone. Oui, j'ai fait des Miyang à la place. C'est normal. Donc, j'ai pris une Triana. Où elle est comme ceci. À gauche, j'ai mis une réduction light. Et à droite, j'ai mis de la recovery skill 2. Là, Delphoi, c'est la même. Et du coup, Vritra, je me suis dit que c'était peut-être plus intéressant de mettre un Desper qu'un Vio dans ce cas de figure. Voilà. Avec comme artefact, toujours le même à gauche et à droite. Les objectifs restent les mêmes. Là où il y a le break def, on y va. Du coup. Ah, c'est très lent anti-cleave. Alors du coup, je vais pas skill 2, je vais sur skill 1, tenter le slip, réussir encore mieux. Au violon, ok, on peut tenter un petit peu, mais à mon avis, tout va être très tanky. Ouais. Alors attends, c'est pas spécialement Omega tanky. Est-ce qu'il y a du Desper? Non, on va par cleans. Très bien. Et du coup, je vais, je pense, reset les CD ici à droite. Voilà. Bon, ça, c'est un bon proc. Heureusement, il derp au niveau de son spell. On va faire notre skill 2 ici. Allez, on met des Desper. Oh, pas mal, hein. Pas mal du tout. On va tenter un slip ici à nouveau, je pense. Ok, on prog. Bon, on va retenter. Hein. On réussit, excellent. On va les tuer ici à droite, évidemment. Et normalement, on est plutôt pas mal si on y parvient. S'il prog pas, on est bien. Parfait. On va retenter un slip ici. Et on prog tous les tours, c'est incroyable. Et on slip tous les tours, plutôt. Ok, c'est quoi, je vais tuer. Encore mieux. Voilà. Plus de sustain. Vritra termine. Et B, cette Triana est incroyable, les gars. Oh, résistance. Alors, offense numéro 6, Gisèle, Byung-Chul, Mour. Bah écoutez, on va objectif cleave. J'ai vu Aguildis passer avec ça. Pourquoi je passerai pas moi avec cette offense aussi? Donc, Myrina est en swift très rapide. Multit à gauche à droite. On a le Théon en second avec du speed up effect à gauche à droite. Il va donner le tour à notre Lucian. Full knocker à gauche. Dégâts sur vent. Parce qu'on veut tuer le Byung-Chul. Et à droite, il des mes skills 3. Objectif cleave. Alors du coup, on joue premier, ça c'est normal. Allez, s'il te plaît, dis-moi que t'as des dégâts. Allez mon poulet, c'est parti. On a large les dégâts, insane. Bon du coup, on fonce numéro 7, côté AF encore une fois. Vritra, Byung-Chul, Chandra. On va y aller avec une Feng Yang, Léo, Alia. Donc on veut jouer du bruiseur, hein. On espère être plus tanky que lui. Je pense au niveau du focus, ce sera Vritra parce qu'il y aura la menace sur lui. On aura du coup une Alia qui est en vieux wheel. Voilà, avec à gauche une réduction vent, à droite peut recouvrir skill 3. Je pense même pas que ça fonctionne en soi. On a Léo qui est en vieux destroy. T'as vu, il est bien tanky. Il est même pas en DCC. Avec à gauche une réduction vent et à droite j'ai mis un petit peu de crit damage réduit. On veut qu'il tank. Et Feng Yang en vieux destroy sans avec à gauche et à droite du multi. Et c'est parti. Donc là on a premier tour et je pense que on va aller taper tu sais quoi, on va aller là dessus, on va mettre des dots là comme ça, la suicide est déjà passée. Et vu que le Vritra est très lent, enfin non, on a gagné de la TB, on va aller sur ce Chandra là, mettre des petits dégâts, pop up le destroy ici. Je pense qu'on va faire un skill 2, juste un skill 2 je pense, comme ça on peut aller taper le Vritra sans se prendre le break def. Voilà, parfait. Et ici, à nouveau pareil, on peut aller taper le Vritra sans prendre de break def. Alors, il y a le câlin qui est posé, on va faire le skill 4 pour reprendre l'immunité. L'idée, c'est d'avoir vraiment l'immunité un maximum.
Là, on l'aura au château à nouveau. C'est plutôt cool. Et on va aller taper ce Chandra. Puisque bah, y a une opportunité d'aller limite le kill ici. Petit proc ici, ça veut dire qu'il a le skill de prochain tour. Ok, il a le skill de ce tour-ci. Super. Bravo. On va taper là. Hop, on va prendre le revenge. Pas grave. Ich. On va faire le skill 4 à nouveau. Et on va aller taper ce Chandra. Puisqu'il y a le backdev dessus. Boum. Petit proc, on tue. Parfait. On va taper ici à gauche. On va essayer d'éviter de justement prendre, comme je l'ai dit, hein, le break def de Zvritra. C'est vraiment le plus important. On a pas mal de break def d'ailleurs sur ce Zvritra. C'est assez étonnant. On va faire ça du coup pour se heal un petit peu. Et on va faire le skill 4. Tu sais quoi, pour l'immunité, le heal. Et je pense qu'il n'y a pas d'artefact de recovery skill 4 si je ne m'abuse. Tiens, maintenant que j'y pense. Bah, t'es pas mal pour ma Alia ici. Comme artefact à droite sur Alia, t'as envie de mettre quoi? Il n'y a pas grand chose à mettre hein, du coup. À part peut-être du crit damage réduit, il n'y a rien à mettre. Quand tu joues avec Léo. On va aller sur ce Byung-Chul, là, on voit qu'il est quasiment sur le départ. Hop, on va le Roxy. Parfait. Ah, c'est un vrai trace André, tu sais quoi, on a bien fait de garder pour le dessert celui-là. Allez, offense numéro 8, on est à nouveau contre cette défense qui est vraiment terrifiante. Syrah, Jaina, John en réponse. Donc une Jaina très rapide en Swift avec à gauche, à droite, deux multi. J'ai mis en Will, vous allez comprendre pourquoi. On a un John qui est en vieux Will très rapide avec à gauche et à droite dégâts des bombes. Et une Syrah très rapide en vieux Will aussi avec à gauche et à droite dégâts des bombes. Donc on verra si la Gisèle n'est pas en Swift. Et du coup, l'importance du Will. Du coup, la Gisèle n'est pas en... En fait, ils ont switch leur set. Ok, en fait, je vous explique. Un gars vient de perdre. Le set Swift était sur Gisèle. Ça, c'est en Despair. Et ils ont switch le set. Très bien vu pour essayer de me faire Despair et me bait. Mood speed. Voilà, c'est très bien vu de leur part. Heureusement, on va réussir à l'Oxac. Waouh, c'est rude, hein. Je vais le faire. Ok, nice. Allez, offense numéro 9, on est encore contre cette défense et il y a un Swift quelque part. Du coup, je me dis qu'avec mon Bernard, on va essayer d'outspeed même s'il a meilleur lead. J'y crois les gars, je suis assez rapide. Galion qui suit et une Julie, full knocker, bien rapide aussi. Multit à gauche, à droite. Objectif cleave. Alors, en fait, je me dis que vu qu'il est très rapide, bah il est squishy. Du coup, même s'il est full wheel, je suis supposé tuer. Donc, let's see, hein. Let's see. Magnifique. Alors, est-ce qu'on se fait solo par une Gisèle? C'est tout à fait possible, on n'a pas de strip, hein. C'est pour ça que peut-être que Eshir à la place de Bernard aurait pu être bien. Mais bon. Alors, on va se libérer des breakdef. Si elle proc pas, en fait, c'est fine. Hein. On a le petit strip. Grâce à notre Julie, tout de même. Ok, ça va passer, magnifique. Allez, dixième dernière offense, on est contre une âme du Hat, Evorfeu et Conrad. On va l'objectif cleave avec Dova, Lushen, Miang. Donc c'est simple, hein, Dova, il faut juste outspeed. Son outspeed, c'est fine. Le Lushen, on peut le jouer long, avec de l'attaque up effect à gauche à droite pour ma part. Et une Miang que j'ai mis en destroy ici. Que la Evor, bah, elle peut nous solo derrière. Du coup, pour la sustain, j'aime bien d'avoir un peu de destroy. Objectif cleave. Du coup, on outspeed. On donne un tour à notre Lushen. On skill 3. Et voilà, il reste que la Evor. Et puis bah, on évite qu'elle nous solo. Du coup, on a le Destroy si jamais on n'arrive pas à la tuer. Mais on y arrive, c'est parfait. Allez, du coup, on a terminé le siège 10 sur 10. En vrai de vrai, ce siège était vraiment cool. Bon, déjà parce qu'on a 10 sur 10, mais surtout parce qu'on a tapé des défenses qui étaient assez fun. Et on a fait des offenses qu'on n'avait pas trop l'habitude de faire. Donc c'était cool. Je me suis bien amusé. En tout cas, GG aux deux guilds. Le siège était vraiment bien. On a fait deux petites défenses win. Donc ça fait plaisir. Ou eh bien, on est plutôt pas mal. Pour l'issue du siège, je pense qu'on devrait terminer deuxième ou premier. On verra bien. Je pense plutôt deuxième en vérité, vu le win rate. Le win rate de F est vraiment exceptionnel, donc je pense que c'est eux qui vont gagner. J'espère que toi, t'as kiffé cette petite vidéo. Si c'est le cas, eh bien n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu. Et ciao, ciao, pote, à tes tito.